La nouvelle commission électorale indépendante a enfin élu son nouveau bureau. C'était ce vendredi 5 septembre 2014. L'annonce a été faite par le bureau des séances, présidé par Auguste Miremont, le doyen d'âge, sur le coup de 22h40 GMT, au siège de la dite institution, sise à Abidjan, deux plateaux. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, depuis 15 heures, les membres de la commission électorale indépendante, comme il avait été annoncé hier, se sont retrouvés pour mettre en place le nouveau bureau de la nouvelle commission électorale indépendante. À l'issue de nos travaux, à 22h30, a été proclamé le bureau suivant. Président Bakayoko Youssouf. Premier vice-président Koné Sourou. Deuxième vice-président Koulibaly de Lempena Gervais. Troisième vice-président Mirmont Auguste. Secrétaire Zano Gogonion André. Secrétaire adjoint Allez, Amelan Victoire. Voici donc le bureau que j'ai l'honneur de vous présenter et qui a été construit, quoi qu'on dise, sur une base consensuelle. C'est ce qui a pris du temps, parce que depuis hier, nous avons abordé le problème des modalités électorales. Nous nous étions mis d'accord sur ces modalités. Aujourd'hui, ce qui nous a conduit, et c'est ce qui a duré, puisque nous aurions pu d'entrée, dès 15 heures, procéder aux élections des membres du bureau. Mais nous avons voulu que ce bureau soit construit sur une base consensuelle. L'ossature, selon laquelle les candidats présentés ont été élus, a été obtenu à une large majorité et à partir de laquelle, donc de cette ossature, nous avons procédé aux élections. Et c'est ce qui a donné le bureau que nous venons de vous présenter. Nous voulons vous remercier pour l'attente qui a été longue, bien sûr. Mais vous attendiez, comme on l'a dit hier, la fumée blanche. Elle est arrivée, vous l'avez en face de vous, puisque moi-même je suis blanc. Merci beaucoup. Nous allons donc céder la place, puisque nous sommes le bureau de séance, nous allons céder la place au bureau élu, donc au président Youssou Bakayoko, qui aura certainement une déclaration à vous faire. Merci beaucoup. Monsieur le Président, avant de décider, on a une question. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis jusqu'à cette heure tardive. Notre président de séance, vient de vous donner la composition de la nouvelle direction de la Commission électorale indépendante. Je voudrais, au nom du nouveau bureau, remercier toutes les autorités politiques de ce pays, à commencer par le chef de l'État, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour entreprendre de discuter avec les partis politiques, la société civile, afin de parvenir à un consensus. Ce consensus est reflété dans la loi qui indique le nom des personnalités qui ont, la dernière fois, prêté serment au Conseil constitutionnel. Je voudrais, à la suite de cela, remercier tous les commissaires qui nous ont fait confiance en constituant ce bureau et qui ont aussi conscience de ce que la tâche qui nous attend
est lourde. Nous allons travailler en prenant en considération toutes les questions urgentes qui sont restées en suspens. Il y a, comme vous pouvez l'imaginer, la liste électorale. Il y a la mise sur pied des commissions électorales locales et à l'étranger. Il y a aussi, bien entendu, la mise sur pied d'un certain nombre d'instruments qui nous sont utiles. Nous allons travailler au renforcement de la cohésion entre les membres de la commission électorale indépendante. Nous allons travailler au renforcement de la confiance entre nous et les populations, entre nous et les électeurs, entre nous et les différents partis politiques. Ce que nous souhaitons, c'est organiser des élections transparentes, organiser des élections crédibles et faire en sorte que la loi selon laquelle une voix égale un vote ou un vote égale un homme égale une voix, nous allons nous appliquer à faire en sorte que cela soit valable et que dans l'avenir, nous n'ayons plus de crise post-électorale. Je vous remercie. Plus de questions, c'est fini. C'était une déclaration. Est-ce que tout le monde a pris part au vote? Est-ce que ça passe pas? Non, pour moi, ça va, ça. Est-ce que le vote a été à 17 ou à moins? Nous étions 17 jusqu'au moment du vote et 5 sont partis pour des raisons diverses. Donc le quorum était de toute façon largement atteint. Oui, ça se voit. La commission Madame Lee, Voilà auprès du président. Voilà, présentation à Frédéric et Jean Bocas. Pas Madame Lee. Madame Lee est en train de nous dire. Merci beaucoup. Notons que sur les 17 membres qui ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel le 11 août dernier et qui ont pris part hier jeudi à l'ouverture des travaux de la commission, seulement 12 ont pris part au vote du nouveau bureau. Les 5 autres, que sont le MFA, les 2 représentants de l'Alliance des Forces démocratiques, le FPI y compris, et 2 membres de la société civile ont claqué purement et simplement la porte de la CEI bien avant les votes. Voici les raisons. Je rentre chez moi. Voilà. L'élection a eu lieu, monsieur le général. Non, ça, ils vont vous rendre compte après. Est-ce que l'élection a eu lieu? Dans la question, l'élection a eu lieu. J'ai pas de déclaration à faire. Je suis là, chef. Monsieur Ganin Bertin, secrétaire exécutif de l'Alliance des Forces démocratiques, membre de la commission centrale, la CEI, va faire une déclaration. Bien. Comme vous l'aviez noté, les premiers membres de la commission électorale indépendante ont été nommés depuis le mois de juillet. Et le reste que nous constituons, c'est-à-dire les représentants de l'opposition regroupés au sein de l'Alliance, nous les avons rejoints seulement en août. Parce que nous étions en train de
faire des négociations en vue de corriger le déséquilibre qui a été consacré par la loi. À partir des 17 membres que nous avions notés, il y a plusieurs déclarations précédentes où nous notions ce déséquilibre. Nous étions donc de bonne foi. C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés à la Commission électorale indépendante. Malheureusement, nous constatons que des engagements qui ont été pris ne sont pas respectés et que nous sommes en train de nous acheminer vers une procédure qui va encore empirer le déséquilibre. Pour ne pas être complices d'une telle situation, nous avons décidé de suspendre notre participation à ces travaux de la Commission électorale indépendante en espérant que les uns et les autres pourront respecter la parole donnée. Voilà ce que je veux dire. Quels ont été les engagements qui ont été pris? Quels sont les engagements? Je vous remercie. Est-ce que l'élection a eu lieu? Nous suspendons notre participation à ces travaux en cours. D'accord. Et ça ne veut pas dire que vous retirez complètement de la commission? On verra la suite. L'église catholique aurait souhaité que l'église catholique aurait souhaité que tous les enfants de ce pays puissent se retrouver, s'entendre pour aller de l'avant. Dans la mesure où certains se sont retirés, il est bon que nous souhaitons que tous se retrouvent autour du même table et qu'on puisse s'entendre pour aller de l'avant. Voilà. Pourquoi certains sont partis? Je voudrais m'arrêter là, je vous en prie. Merci. Vous vous présentez? Ah oui, je suis le père Boni, je représente l'église catholique. Mais qui s'est représenté exactement? Qui s'est retiré exactement? Ben, je crois que les gens sont passés devant vous, j'espère. Donc c'est oui, ça, mais tu sens retirer? Ceux qui sont passés devant nous. Parce que vous aussi vous passez, donc vous êtes exactement. Donc vous aussi vous retirez? Je sais pas. Ah, pas fait déclaration, elle est. Avec un bureau de la commission centrale, élu par seulement 12 membres sur 17, même si les textes nouveaux de la CEI valident un tel scrutin, il est tout de même à noter que politiquement, cette élection du bureau de la nouvelle CEI laissera sûrement une tâche indélébile qui affectera à coup sûr les prochaines échéances électorales dans notre pays.